Hello les gars, une petite vidéo maintenant. Est-ce que la lutte, le jiu-jitsu brésilien est efficace en rue pour la self-défense? Voilà, très souvent on me pose la question, est-ce que le sol est travaillé en Krav Maga? Alors j'insiste, je vais d'abord expliquer ce que je pense des sports de lutte, etc. Et ensuite, je vais développer ce qui se passe dans le Krav Maga. Alors, première chose, la lutte, le jiu-jitsu brésilien, le grappling, est-ce que c'est efficace? Oui, c'est très efficace. C'est-à-dire que si on se bat contre une personne, je pense que quelqu'un qui a des notions de lutte ou de BJJ sera clairement avantagé. En termes de combat, je trouve ça très efficace. La preuve, c'est que lorsque la famille Gracier a introduit ça d'abord au Japon avec Rickson et ensuite avec Royce lors des UFC, ils ont tout gagné. Pourquoi? Parce qu'ils sont venus avec une botte secrète, hein. Personne ne connaissait ça. Les frappeurs ne savaient pas se débrouiller au sol et ils se sont tous fait attraper. Les choses ont maintenant évolué. Tous les gens qui se battent dans la cage savent faire du sol et savent faire du pied-point. Qu'est-ce que l'on voit maintenant? La réalité, c'est que les gens savent se débrouiller maintenant en sol. Et évidemment, c'est les gens qui font du pied-point qui gagnent. Ou en grande généralité, bien sûr. Comme je l'ai déjà dit, la différence se fait dans le combattant et non pas dans l'art qu'il pratique. Maintenant, la position du Krav Maga, on travaille le sol. Dans toutes les techniques où on va travailler, on travaille systématiquement debout, assis au sol, couché au sol. Pourquoi? Parce que ça arrive dans la vraie vie, ça arrive, je suis tombé au sol, quelqu'un me met un pénalty dans la tête, je dois savoir me débrouiller. Ça arrive vraiment. Donc ici, la position du Krav Maga, c'est de systématiquement faire toutes les techniques également au sol. Alors, on n'est pas des spécialistes du combat au sol, pas du tout. Notre but, c'est d'être au sol et de se relever le plus vite possible. Pourquoi? Parce que sol égale danger. Au plus longtemps je vais rester au sol, au plus longtemps je prends du danger. Et là où le BJJ s'arrête, où la lutte au sol s'arrête, c'est lorsque je me fais agresser contre plusieurs agresseurs. Or, en Krav Maga, c'est vraiment le but. C'est-à-dire que c'est vraiment le but de travailler contre plusieurs agresseurs. Si vous êtes agressé dans la rue, vous tombez au sol, quelqu'un vous donne un coup de pied, le but va être de se relever le plus rapidement possible. Si vous ne vous relevez pas et qu'ils sont à deux ou trois, ben vous êtes mort évidemment. Et ici, ce que je veux dire, c'est qu'à partir du moment où je commence à grappler avec quelqu'un et que je suis au sol, on se tient les mains et on se bat, si j'ai des grandes notions de sol, ben évidemment j'ai un avantage, je vais sans doute gagner. Mais si à ce moment-là, un second agresseur arrive, ben évidemment, je suis perdu, il va me donner un kick au visage et le combat va s'arrêter. Donc ici, ma vision sur la self-défense, le sol est important et on le voit en Krav Maga, mais le sol est important certainement en une fraction de seconde ou maximum une seconde, c'est-à-dire je tombe au sol et je dois me relever le plus vite possible. Me complaire dans un combat au sol est une erreur. Pourquoi? Parce que dans nos combats urbains, et le Krav Maga s'adresse, je reparle de la self-défense, imaginez, vous êtes avec votre mallette, vous êtes en costume avec des chaussures de ville, j'imagine très mal que vous allez vous tordre par terre et commencer à chipoter sur le béton. Donc le but, c'est que si je sais me débrouiller debout, je vais me débrouiller debout, je vais éviter d'aller au sol, parce que s'ils sont plusieurs, ben c'est terminé. Donc, résumé de ce que je dis aujourd'hui, le sol c'est super, le grappling c'est super, le BJJ en combat 1 contre 1 c'est redoutable. En termes de self-défense, et à partir du moment où il y a plusieurs agresseurs, on va préférer l'option Krav Maga et se relever le plus vite possible et éviter d'aller au sol. Donc le sol est vraiment mon ennemi parce que c'est vraiment très dangereux. Voilà, court message. Bye bye les gars, salut!